Bonjour à tous et à toutes, c'est Tixi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 10 octobre 2017, nous allons nous lancer un petit défi et nous allons voir ensemble comment installer une base Arch Linux avec un environnement de bureau et tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de celui-ci. Donc, j'ai paramétré auparavant ma machine virtuelle, je n'ai plus qu'à démarrer l'ensemble et à débuter l'installation. En guise de préambule, sachez que Arch Linux n'est pas véritablement une distribution qui peut être utilisée en live CD. C'est une distribution qui s'installe étape par étape avec un terminal de commande. L'utilisation de Arch Anywhere permet de dégrossir un petit peu le travail et d'installer toujours cette distribution étape par étape, mais avec un CLI qui se chargera ensuite d'appliquer les commandes que vous souhaitez effectuer, en intégrant tous les logiciels, les accessoires, les noyaux, etc. Bref, sans plus attendre, nous allons lancer l'installateur. Voilà, il n'y a plus qu'à patienter que l'intégralité des éléments se charge. Et nous voici devant le menu de cette distribution. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs choix disponibles. Ce qui nous intéresse, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet, à savoir l'installation des différents éléments. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer la commande Arch Anywhere. Alors, je vous prierai d'être un petit peu indulgent, parce que par défaut, le clavier est paramétré en QWERTY, et je ne suis vraiment pas familier avec la disposition des touches dans cette configuration. Donc, je vais m'efforcer de taper ça. Ça commence bien correctement. Donc, Arch Anywhere. Il n'y a plus qu'à valider. Et nous entrons enfin dans la première étape de cet installateur. Tout d'abord, il faut choisir une langue. Donc, par défaut, on parle français, donc on va choisir la langue française. On valide. Bienvenue sur l'installateur Arch Linux Anywhere. Voulez-vous commencer la procédure d'installation? Oui, bien entendu. Et là, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est télécharger et trier les nouveaux miroirs, c'est-à-dire synchroniser les dépôts afin d'obtenir les dernières versions en date des paquets. Parce qu'il faut savoir que l'installation de Arch Linux ne se fait pas à partir du live CD en lui-même, il n'y a pas de live CD à proprement parler, mais se fait à partir des serveurs, à partir des dépôts disponibles de la distribution. Donc tout se fait en ligne. Donc c'est parti, nous allons synchroniser l'ensemble. Il faut choisir avant toute chose les dépôts les plus proches de chez nous. Donc nous allons prendre les dépôts disponibles sur le territoire français. On valide. Voilà, c'est en train de se synchroniser. On patiente un petit peu le temps que l'opération s'effectue. Voilà. Ceci ainsi fait, nous allons choisir la disposition du clavier en français. Les paramètres régionaux, donc bien entendu France, fuseau horaire Europe, et nous allons sélectionner le deuxième fuseau horaire où nous nous trouvons, c'est-à-dire dans le fuseau horaire de Paris. Ensuite, donc nous arrivons à l'étape du partitionnement du disque. Bien entendu, vous avez la possibilité de partitionner manuellement votre disque dur. En particulier, je pense aux personnes qui disposent d'un SSD, ce qui permet d'enlever la partie swap et ainsi permettre d'avoir une longévité du disque dur un peu mieux maîtrisée, un peu meilleure que si l'on laissait la partie swap intégrée à l'installation. Donc, ce que l'on va faire, on ne va pas se prendre la tête, on va procéder à un partitionnement automatisé. Ça ira très bien. Donc là, j'ai ma partition déjà de fait.
Il n'y a plus qu'à choisir ensuite le système de fichiers. Donc Extended Cat 3, 2, ce sont les systèmes de fichiers par défaut utilisés sur les distributions GNU/Linux. Ce sont de très bons systèmes de fichiers, fonctionnels, stables, assez efficaces dans l'ensemble. Mais vous pouvez choisir SOS, vous avez la possibilité de choisir BTRFS, JFS, XFS qui est dérivé des distributions BSD. Donc nous allons rester dans du classique, on va prendre Extended 4. Voulez-vous créer un espace de swap? Donc ça revient à la chose que je vous avais parlé en amont. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous avez un SSD, c'est même recommandé de ne pas laisser une partition swap, afin que le disque dur, le SSD ne travaille trop. Car vous savez, la durée de vie d'un SSD dépend aussi de son cycle de lecture et d'écriture. Donc là, on va quand même créer un espace. Là, ça nous donne la possibilité de mettre la taille de l'espace que l'on veut. Donc, en l'occurrence, on va le laisser à 512, comme ici. Souhaitez-vous utiliser le partitionnement GPT? C'est essentiellement une partition qui sera créée pour les personnes disposant d'une carte mère UEFI. Donc là, nous n'avons pas besoin parce que nous travaillons sur machine virtuelle, donc non. Là, nous avons plus qu'à appliquer notre choix, enregistrer, et c'est parti. Donc le partitionnement se fait. Il n'y a qu'à attendre quelques secondes pour que tout se réalise. Voilà. Donc, nous allons procéder ensuite à l'installation de la base, c'est-à-dire donc le système avec le noyau et ses composants, ainsi que, enfin, la prochaine étape qui viendra après, ça sera l'environnement de bureau. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez plusieurs choix aussi également. Vous avez la possibilité d'utiliser donc la base Arch Linux, donc c'est-à-dire le noyau de base Arch Linux et ses composants, la base développement qui sera un peu plus mise à jour plus fréquemment avec des accessoires, des outils qui permettent justement le développement sur sa propre installation. Hardened, je ne sais pas à quoi ça correspond, je n'ai jamais eu l'occasion de tester ça, donc on va mettre ça de côté. Noyau LTS, donc Long Term Support, un petit peu à la manière des Ubuntu, des Debian, avec un noyau un peu plus ancien, mais qui sera remanié au fur et à mesure du temps, qui sera surtout pour les personnes qui vont avoir besoin d'un système ultra stable, car on va dire que la dénomination LTS est un gage de qualité en termes de stabilité. Et ensuite, nous avons les systèmes typés Zen, qui est un peu le pendant, on va dire, de Arch Linux base, mais avec c'est une équipe en fait qui se charge à la fois de rechercher un compromis entre la stabilité et la fraîcheur des éléments installés. J'ai jamais eu l'occasion aussi de tester un noyau Zen. J'essaierai ça sur une prochaine installation. Mais je vais partir en terrain inconnu, donc on va se contenter d'une base Arch Linux simple. Donc voilà, je valide mon choix. Ensuite, l'interface shell. Donc comme vous le savez, dans le terminal de commande, on utilise le bash, le shell, enfin tout ce qui permet d'interagir avec le terminal. Là, vous avez plusieurs choix aussi. Vous avez le bash, le dash, le fish qui est dérivé des BSD, ZSH. ZSH qui est assez riche en fonctionnalités, comme le précise ici, comme le précise donc l'installateur, et qui est un peu plus, on va dire, personnalisable par rapport au bash classique. Donc, je vais prendre le ZSH. Voilà. On va choisir par défaut. Configuration ZSH par défaut. On va installer Grub. Bien entendu, le Network Manager pour que la fonctionnalité du réseau puisse être opérationnelle. Architecture 64 bits détectée. Ajouter les dépôts multi-DB à pacman.conf. Ça permet d'installer les DLL en 32 bits et de les faire fonctionner sur un système 64 bits. C'est pas négligeable par exemple pour Steam. Steam a besoin de DLL en 32 bits pour pouvoir lancer certaines applications et certains éléments qui permettent de fonctionner correctement. Donc on va choisir oui. Activer DHCCP, oui bien entendu.
Installer les utilitaires de réseau fournit le support du Wi-Fi. Donc ça, c'est utile, hein, comme l'énoncé l'indique, c'est utile uniquement si vous utilisez un ordinateur connecté en Wi-Fi dans votre réseau. Donc là, comme nous sommes en Ethernet sur mon PC de bureau, je ne vais pas utiliser cette fonction-là. Ça permet de gagner un peu de poids en efficacité. Donc oui. Inclure le support pour les connexions PP ou EDSL, c'est un ancien protocole de connexion qu'on utilisait auparavant dans les premiers modems routeurs ADSL. C'est un protocole aujourd'hui totalement désuet. Donc, non. OS Probeur, utile pour les personnes qui fonctionnent en multi-boot avec un autre système d'exploitation ou avec Windows, enfin BSD, n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, non, on va pas prendre OS Probeur, on n'a pas besoin de multi-boot. Voulez-vous installer un environnement de bureau avec un gestionnaire de fenêtres? Oui, bien entendu. Donc là, vous avez le choix. Vous avez la possibilité d'installer, il doit y en avoir un peu plus d'une dizaine, la possibilité d'installer des environnements de bureau ou des gestionnaires de fenêtres. Donc, c'est une liste assez fournie. Vous pouvez en installer plusieurs, mais moi, je recommande toujours d'en installer un seul. Et de voir par la suite, suivant vos goûts, vos couleurs, comment vous utilisez l'ensemble, vous pouvez toujours bifurquer ensuite sur un autre environnement de bureau ou un nouveau gestionnaire de fenêtres. Donc là, vous avez donc Arch Anywhere XFCE qui est un XFCE un petit peu personnalisé, un petit peu customisé à la façon Arch Anywhere. Vous avez Openbox, Budgie, Cinnamon, Deepin, très intéressant qu'ils aient intégré Deepin là dernièrement sur l'installateur de Arch Anywhere. GNOME Flashback, un GNOME un peu plus ancien, plus classique. Le KDE Plasma 5 qui est ultra lourd à installer et à utiliser, c'est un enfer, surtout après les derniers bugs qu'il y a pu avoir sur cet environnement de bureau. Donc à vos risques et périls, si vous utilisez KDE Plasma, faites attention. En ce moment, c'est assez instable. ILxDE et son pendant Qt, LXQt. Vous avez Mate, XFCE 4 classique, Awesome, BSPWM, que je ne connais pas, WM aussi, Enlightment, Flickbox, i3. Bref, je pense qu'on va essayer Cinnamon. Cinnamon, j'ai pas l'habitude d'utiliser et d'installer cet environnement de bureau, donc on va porter notre choix sur Cinnamon cette fois-ci. Alors, terminé. Donc là, il va installer les éléments guest pour que ça puisse fonctionner correctement sous VirtualBox. OK. Requis pour un. Donc là, c'est un élément qui vous permet d'utiliser correctement les pavés tactiles de votre laptop. Donc là, nous ne fonctionnons pas sur un laptop, donc on va choisir non. Voulez-vous installer un gestionnaire de connexion? Oui. Et par défaut, on va choisir LightDM. Souhaitez-vous installer certains logiciels courants? Alors, il est possible d'installer des logiciels en plus de l'installation de base, ce qui vous permet d'avoir un système d'exploitation complètement fonctionnel à la sortie, une fois l'installation arrivée à son terme. Donc, nous allons choisir quelques petit logiciel, voulez-vous ajouter? Alors pourquoi j'ajoute le dépôt? Parce qu'il nous permet de dégrossir encore plus le travail, notamment en installant PAMAKUR, qui est un installateur graphique. C'est plutôt un GUI graphique de Pacman, donc pour accéder au dépôt non seulement Arch User Repository, donc l'AUR, mais aussi des dépôts Arch classiques. Donc on va installer ça et je pense qu'on va installer Yaourt avec, même si c'est désuet. On va quand même l'installer pour plus de sécurité. OK. Ensuite, en audio, qu'est-ce que nous avons? Audacity, Audacious, Semus, Jacques2, LMMS, oui, c'est plus pour les professionnels, c'est plus des logiciels qui vous permettront de composer votre propre musique, de travailler sur l'audio. C'est
pas forcément très utile pour nous parce que nous allons essentiellement utiliser notre système d'exploitation dans un but bureautique et ludique. Donc, nous allons rien installer ici. Côté jeu, est-ce qu'il y aurait Steam? Oui, il y a Steam, donc je vais le choisir parce que je suis joueur. Et nous allons l'intégrer dans notre liste d'installation. Ok. Graphisme, Blender, Darktable, la retouche photo, GIMP. On va installer GIMP le minimum nécessaire. Ok. Ensuite, Internet. Donc Internet dans cette section. Donc Archinua vous propose l'intégration d'un navigateur web. Vous pouvez installer donc des logiciels mail de type Thunderbird. On va installer le minimum. On va prendre Chromium. Ensuite, multimédia, qu'est-ce que nous avons? Unbreak, donc encodeur de vidéo, un player lecteur, MPV, Super Screen Recorder, SM Player, VLC. Donc, moi personnellement, j'ai une petite préférence pour SM Player avec le combiné MPV. Pourquoi? Parce que VLC, j'ai eu énormément de problèmes ces derniers temps avec. Et puis, c'est un logiciel qui devient de plus en plus lourd à l'utilisation. Donc j'ai une nette préférence pour MPV qui est beaucoup plus simple, plus épuré et beaucoup plus fonctionnel que VLC, je trouve, beaucoup plus efficace. Donc je vais prendre ceci. OK. Ajouter. Ensuite, où en étions-nous? Tac. Oui, bureautique. Donc là, pareil, vous avez la possibilité soit d'installer AbbeyWord pour le traitement texte graph classique, Caligra, suite bureautique pour Plasma, bof. Je vais prendre un LibreOffice Fresh, comme ça il sera constamment mis à jour. J'aurai les dernières versions disponibles. Ok. Terminal. Est-ce bien utile d'utiliser un autre terminal que celui qui est fourni avec Cinnamon? J'en ai strictement aucune idée. Donc, ce que je vais faire par défaut, comme je suis habitué à travailler essentiellement sous XFCE, je vais prendre le terminal de XFCE 4 au cas où. Si vraiment j'en ai vraiment pas l'utilité, je pourrais toujours le supprimer à la fin de l'installation. Ok. Ok. Ensuite, éditeur de texte. Mousepad. Gedit, Mousepad, je sais pas quoi prendre. Je vais peut-être prendre. Je vais prendre Gedit. Ok. Ensuite, nous avons tout ce qui est logiciel dédié pour les serveurs, donc ça nous n'est pas utile véritablement, surtout pour une utilisation bureautique. Système, ObligeBit, Conky, je vais rajouter la calculatrice et je vais prendre Gparted, htop, comme ça il sera déjà disponible à partir du terminal de commande. Screenfetch, VirtualBox, non. Je vais me contenter du minimum dans un premier temps. Voilà, ceci ainsi fait, il n'y a plus qu'à installer l'ensemble en espérant que tout cela fonctionne. Go. Voilà. Donc, nous avons 599 mégaoctets de données à télécharger. Ça devrait se faire assez rapidement, sachant que j'ai une connexion fibre. Donc, je pense que d'ici 5-6 minutes, l'installation devrait arriver à son terme. Installé. Donc, le téléchargement débute. Il n'y a plus qu'à patienter.
Donc, le téléchargement des paquets vient de se terminer. Nous allons procéder à l'installation. Alors, pour finaliser l'installation, il faut maintenant créer un compte administrateur et utilisateur. Nous allons débuter par le compte administrateur que je vais nommer de mon pseudo. Je valide. Un mot de passe, bien évidemment. Je valide. Je répète mon mot de passe. Je valide. Voilà, je vais rentrer un nouvel utilisateur que je vais nommer XI. Je vais taper à nouveau un mot de passe. Oups. Le mot de passe. Et encore une fois, le mot de passe. Donc, activer les privilèges sudo pour XI, oui, bien évidemment. Et nous sommes bons, il n'y a plus qu'à terminer et finaliser l'ensemble. Redémarrer le système. On boot et on croise les doigts pour tomber sur notre ensemble déjà préinstallé. Mince. On va se contenter. On va pas s'embêter. On va redémarrer. Hop, redémarrer. Voilà. Arch Linux. Je me suis trompé de section. On tape notre mot de passe. Et tada! Nous voilà sur notre bureau. Donc, on a une interface, un environnement de bureau Cinnamon complètement fonctionnel, avec les petits logiciels que j'ai demandé à installer, qui sont présents, Steam, Chromium. Ensuite, il y a bien donc PaMac, qui est fonctionnel et disponible. On va lancer un terminal de commande. Hop. On va taper un uname-a. Donc nous sommes bien sur un noyau 4.13.4-1 arch. Donc un noyau assez récent et assez frais dans l'ensemble. Donc je teste le clavier. Il est bien en français. Donc tout est installé, fonctionnel et disponible dès maintenant. Donc l'installation a duré combien de temps? À peu près un quart d'heure. Donc, il est possible pour chacun d'entre vous d'installer une base Arch Linux fonctionnelle
léger, simple, stable, enfin tous les superlatifs que vous voulez, à partir d'une commande assez simple et accessible. Pas besoin de vous triturer les méninges pour essayer de trouver un bout de code à intégrer dans un terminal de commande pour installer l'ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous l'avez appréciée, et je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures.